Bonjour, je m'appelle Arlette. Je suis infirmière de formation. J'ai travaillé à peu près une trentaine d'années dans le milieu médical. Parallèlement, j'ai toujours chanté depuis que je suis toute petite. Et aussi à l'adolescence, avec mes cousins, avec mon premier amour, on allait chanter dans les bars. Et puis, j'ai fait de nombreux ateliers de chant avec le Royart surtout. Et dernièrement avec Mathilda et Olien. Et j'ai trouvé dans le chant vibratoire le lien entre l'infirmière et la chanteuse. Ça me permet de faire le pont entre les deux. Le chant vibratoire. Alors, qu'est-ce que le chant vibratoire? Le chant vibratoire, je pense à une phrase de saint Augustin qui disait « Il prie deux fois celui qui chante bien ». Je dirais qu'il prie deux fois celui qui chante avec son cœur. Le chant vibratoire, c'est un chant à partir du cœur, dans l'amour et la bienveillance. D'abord, se centrer sur son être intérieur, son être profond, et puis se laisser chanter, être un canal, un tube pranique entre le ciel et la terre. Pendant le chant vibratoire, on utilise différents instruments. Donc l'instrument essentiel est la voix, parce que la voix va directement à la source de l'être, à l'essence. Mais on peut utiliser le tambour comme ancrage, les bols, parce que les bols de cristal font tomber la lumière dans la matière. Et puis les carillons sont des sons subtils qui invitent l'être à l'intériorité, au silence intérieur. Le diapason, différents instruments. Voilà. Et l'essentiel du chant vibratoire, c'est toucher l'autre au cœur de l'être pour l'ouvrir à son unité. Voilà, c'est très important. Je vais vous en dire les quatre premiers vers, juste. C'est un poème qui dit « Un être se cherche en nous et parfois nous déchire, un écho prisonnier qui cogne à nos fenêtres, cette ombre qui nous hante et ce feu au navire, un soleil inconnu un jour nous fera naître. » Oh, my God.